mois de Syriane. Passe aux Belges. C'est un huitième de finale. Deuxième tour de journée, deuxième combat pour Syriane. Le Belge qui est un tout petit peu plus grand que le Syrian. Zéro pour Syrian. Un partout. Ah, et le Belge qui réussit à marquer en frôlant. Attention Syrian, oui. Ouais, les genoux. Le Belge qui mène maintenant 4 à 1 face à Syrian. Il va y avoir une belle bagarre. Ça promet une vraie, vraie belle bagarre entre les deux. Un à 4 toujours. Ça va vraiment se jouer au mental. Ça va vraiment se jouer au mental. Il va falloir que Syrian, voilà, il réussisse à déstabiliser le combattant belge. Frappe des deux côtés, ça touche le plastron des deux côtés. Pour l'instant, il manque encore un petit peu de précision. Le coup de poing du Belge qui fait mouche. Comme le plastron de Syriane. Il reste 25 secondes dans cette première reprise. L'ouverture côté fermé de Syrian. Et voilà Syrian qui met un peu plus d'agressivité maintenant. No problema. Comenzamos el combate número 30 de la pista 3 entre Lorenzo Blandino, from Italy, Blue Protector, and Alexander. Côté belge. Bulgaria, Red Protector. Donne aussi des consignes. Africain 5, detrás del combate número 7 de la pista 5. En faveur du combattant belge. Deux avertissements pour Syrian, un avertissement pour le combattant belge. C'est parti pour le deuxième round. La Syrian qui prend tout de suite l'initiative et qui score. Quatre à sept. En faveur. Le coach belge n'a pas l'air du même avis. Et il dit qu'il n'y a pas de Kamchon. 5 à 7 en faveur de du Belge. On est donc à moins 2 points pour le moment. Number 5 after 5. Number 32. I repeat, 5, number 30, from quarter 3, between Lorenzo Blandino, Italy, and Alexander Salcedo. Alors que sur l'air numéro 1, il y a Canelia Carabin qui va faire voilà, son quart de finale face à une Anglaise. Ah là 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 là. Ça devient compliqué cette histoire, je vous mens pas. Voilà. On a Hans avec Kalida qui se prépare pour son quart de finale. On a ici le huitième de Syrian. Et là-bas au fond, on a Canelia qui
qui va disputer son quart de finale. Je vous donnerai des nouvelles en temps et en heure. Après le combat de Cyriane, on ira voir le combat de Canelia qui est en train de commencer. Et puis ensuite, on viendra à la fin sur le combat de Kalida. Ah là là, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. C'est temps. Je vais vous balader avec moi. On va aller voir Canelia. Pour le moment, on va régler un souci technique. Il y a 1-0 pour l'anglaise. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le combat de Cyriane dès que ça reprendra. Kick after Canio, oui. Contre Canelia. Canelia qui revient dans le match. Ah. Coach de Canelia qui demande quelque chose. Et on a Kalida là-bas en train de se préparer. Bon, il y a des vidéos replay partout sur nos airs à nous, des Français. En tout cas pour l'instant. Canelia est menée 2 à 1. Et la vidéo replay a été rejetée. Qui tente les coups de poing. Il y a l'anglaise. Ah, 3-1 pour l'anglaise. Qui est toujours offensive. Coup de poing de Canelia qui score. On est à moins 1, 3-2 pour l'anglaise. Coup de poing de Canelia qui score, mais l'anglaise qui est morte deux fois au visage. 3 à 9. On est à 3 à 9, moins 6 pour Canelia, moins 7 maintenant. Et on va repartir. Et il y a Kalida qui a commencé. 5-0 pour Kalida face à la Turque. 5-4, la Turque qui vient en score. Et c'est reparti du côté de Cyriane. C'est reparti du... Et le Belge qui score. On est donc à moins 4. Et on repart du côté de Kalida qui mène 5 à 4 dans ce quart de finale face à la Turque. Kalida qui mène maintenant 8 à 4. C'est le point de la Turque qui fait mouche. Alors pour rappel, Kalida mène 8 à 5 actuellement. Cyriane est menée 9 à 5. En 8e de finale et en quart de finale, Canelia Karaban est menée 10 à 3. Canelia qui mène toujours 8 à 6. Et c'est reparti, on repart du côté de Cyriane. On termine le match. Il reste un round dans ce 8e de finale. Cyriane qui score au visage. Il revient à moins 1.
reste. Il revient un point, Cyril qui passe devant maintenant grâce à un cut. Cyril qui est devant. Khalida qui mène toujours 8 à 6. Canelia là-bas qui est menée 14 à 3. Et le Belge qui est repassé devant. Le Belge qui est repassé devant d'un point. Il reste 40 secondes dans ce round. Allez Cyrielle, allez. Et le Belge qui tente une attaque. Vraiment engagé, il reste 30 secondes maintenant, un peu plus de 30 secondes. Et le Belge qui repart à l'attaque. Cyrène qui tente un contre, qui n'est pas fructueux. Cyrène, oh là là. Pourquoi il a fait ça, dommage. Et la Turque qui passe devant Khalida. 9 à 8 pour la Turque, 12-12. Et Khalida qui est mené 18 à 3. Il reste 15 secondes d'égalité parfaite. Cyrène qui met un coup de poing et qui score. 13 à 12 pour Cyrielle. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. Le cut. Aïe aïe aïe, Cyrielle qui a mis le genou et qui va se pénaliser pour le genou. Il reste 4 secondes. Khalida mène 12 à 10. Égalité, point en or. Point en or de ce côté-là. Khalida qui mène. Khalida qui mène 12 à 11 face à la Turque. Il reste 45 secondes dans cette deuxième reprise. Et la Turque qui est très agressive. Et dans le quart de finale, au fond, Canelia est menée 18 à 3. Voilà Khalida qui se bat. Hein. En jeu, la médaille, on est dans le deuxième round et la Turque qui score. En coup de poing. Et l'Anglaise qui mène 13 à 12 pour Khalida. Et ça repart, attention. Ça repart pour Cyrielle. Point en or. 0-0, c'est parti. C'est la bagarre, c'est la guerre. Oh, que c'est chaud, que c'est chaud, que c'est chaud. Huitième de finale, 43 secondes, il reste. Oh, que c'est chaud. Au prochain Kamchon, c'est la victoire pour l'un ou pour l'autre. Au prochain Kamchon, c'est la victoire pour l'un ou pour l'autre. Attention, et le Kamchon, c'est Cyrielle qui s'impose. Cyrielle qui s'impose pour une deuxième faute. Victoire de Cyrielle. Défaite de Canelia face à l'Anglaise. Et on va terminer le troisième round de Khalida qui est mené au score, qui est mené de 2 points Khalida face à la Turque dans ce quart de finale. C'est le combat de la médaille. Khalida qui est mené. Mais il lui reste encore 1 minute 30 pour faire la différence. La championne de France, moins de 52, vainqueur des Jeux à Noka au Rwanda cette année, vainqueur de l'Open de Corée, la Turque a remis un coup de poing. Oh, les coups de poing sont un peu généreux je trouve, mais bon, la Turque fait le travail, il reste une minute. C'est la Turque qui, j'ai envie de dire, qui mène les débats. Elle est un peu plus active que Khalida. La Turque est un peu plus à l'initiative. Il faut que Khalida nous sorte une magie au visage là. Et la Turque qui met encore un coup de poing, qui score.
Pas vrai. Il reste 45 secondes et la Turque est encore qui va vers l'avant. La Turquie est sanctionnée. Allez. Allez, on inverse la spirale. La sanction n'a pas été mise. Allez, allez, on inverse la spirale. Voilà, 14-18, c'est bon. Voilà, Khalida. Allez, reste 30 secondes pour faire la différence. Allez, Khalida. Et la Turque qui tente au visage encore. Et la Turque qui score encore, encore. Il reste 15 secondes, 6 points à rattraper. La Turque qui va encore. Il reste 5 secondes. Et victoire de la Turque. Encore une fois, la France, pour être vainqueur.